arrive à toi encore. Vanilla m'a demandé de vérifier tous les stocks qu'on a fait depuis le début de l'année, en savon pour les mains, gobelets, dosettes de café, sucre... 2500 de chaque. Quoi 2500? Le café et le sucre, c'est 2500 de chaque. Et confiance, après tu vois sur Zendoc. Je l'ai fait, je suis pas un idiot, mais bon, je me trompe, je recommence, et puis je trouve pas cette calculatrice, donc je dois faire les calculs à la main, donc je me trompe, je recommence. Puis 8 x 8, ça a jamais fait 42. Et ça, depuis ce matin, je vais devenir fou. Calme-toi, calme-toi. Pense au tableur. Oui, je l'ai fait, mais j'ai peur de me tromper en recopiant les montants. Recopier? On fait plus ça, nous. T'exportes tes bons vers le tableur, et tu fais la somme en bas de la colonne. Ah ben merci, bon, ben j'y vais maintenant, alors. Et vérifie bien que c'est 2500. Il n'a qu'à abuser que le café ici. Que ce soit à des fins de calcul, d'analyse, de statistique, vous pouvez sélectionner les informations contenues dans les documents d'un classeur Zendoc qui vous intéresse et les exporter dans un classeur Excel. Cette opération, disponible par défaut dans tous les classeurs, vous permettra de gagner du temps et d'éviter les ressaisies qui peuvent devenir source d'erreurs. Zendoc est l'ennemi numéro 1 des tâches redondantes sans valeur ajoutée.